Bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons vous présenter un peu ce qui se fait en matière de polyphonie, et particulièrement, nous allons voir si vous connaissez assez bien, polyphonie sacrée. Donc encore, si, on a pour habitude de chanter soit pour les enterrements, soit pour les mariages, des chants qui sont tirés de la liturgie chrétienne, ce sont des chants qui sont en latin. Il faut savoir que c'est une tradition qui est purement orale, nous n'avons pas de partition, ça s'apprend depuis tout petit, donc on tombe dedans, je dirais. Alors la polyphonie corse, traditionnellement, se chante à trois voix. C'est trois voix obligatoirement. Si vous avez une voix lead, qui va commencer le chant, c'est la voix qu'on appelle la voix de seconde, va venir dessus une voix de basse pour harmoniser, et enfin pour faire l'harmonie, une voix dans une note qui correspond à la quinte, c'est ce qu'on appelle la voix de tête. Donc on va commencer avec un premier chant, c'est un chant qui est dédié à la Vierge Marie. Ce chant s'appelle le Salve Sancta Parens. Il se chante traditionnellement lorsque, pour les mariages, il est tiré donc de la messe des vivants, lorsque la mariée rentre dans l'église. Il peut se chanter aussi, c'est un chant qui est dédié à la Vierge Marie, lorsque la mariée apporte le bouquet à la Vierge. Et ce chant-là particulièrement se chante aussi pour le 8 septembre, qui est une fête religieuse qui s'est célébrée en France. Donc c'est le Salve Sancta Parens. Et d'un
deux ou trois versions, alors chaque fois on a peur de se tromper. Et on a un petit outil pour nous aider, pour nous donner exactement la note. C'est un, en fait, c'est un iPhone. C'est un diapason chromatique qui va nous donner juste la note de départ pour ne pas être trop haut pour la voix de terre, c'est trop bas pour la voix de basse. Donc on va vous interpréter le salut de la vie sociale. Toujours coutume en Corse de chanter donc, à la fin des concerts le 10 ou 8 janvier.